C'est parti. Donc, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve une seconde fois pour un petit zoom sur le partage d'expérience des produits, des offres du mois. Et donc, ce mois-ci, on va vous parler des offres du mois de mai. Donc, pas mal d'offres. Et donc, on commence maintenant pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, on va commencer avec la première offre qui est la tangerine. La tangerine, c'est la mandarine. Cette offre, c'est le produit du mois, ce qui veut dire que pour toutes les personnes qui sont en commande de fidélité, donc ce qu'on appelle la LRP chez doTERRA, si vous passez une commande avant le 15 du mois de mai d'au moins 125 PV, la tangerine, la mandarine, donc, vous sera offerte. Elle va arriver gratuitement dans votre commande. Donc moi, elle est arrivée ce mois-ci. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais pas. Elle vient d'arriver ce matin, en réalité. Elle sent très, très bon. Et donc, je vais vous en parler. Donc, même si je n'utilisais pas celle-ci, j'utilise énormément d'agrumes. Et donc, les agrumes ont quand même des propriétés toutes un petit peu communes. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, la tangerine, entre autres, hein, comme tous les agrumes, elle contient des antioxydants puissants. Donc, extrêmement intéressant pour notre corps. Et en plus de ça, elle va donc permettre un nettoyage et une purification donc, du corps et de l'environnement en diffusion. Donc, moi, la tangerine, je vais l'utiliser comme tous les agrumes. Hein, vraiment, je les utilise quotidiennement sur plein de supports et voilà, de différentes façons. Donc, moi, mes supports, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sentir les agrumes. Et je vais vous expliquer pourquoi ensuite, là, avec un petit schéma. C'est des huiles bonne humeur, hein. Donc j'adore ça. Donc moi, j'ai des petits bracelets, je ne sais pas si vous voyez ça, des petits bracelets avec des pierres de lave que je porte souvent. Et donc, je me mets des petites gouttes d'huile essentielle et souvent, c'est des agrumes. Donc la tangerine, elle sent très bon, elle y aura droit. Et donc, elle va diffuser naturellement tout au long de la journée avec la chaleur de mon corps, c'est très sympa. Des pierres de lave, j'en ai partout dans ma maison. Et donc, voilà, j'en ai sur mon bureau. C'est pareil, je mets quelques gouttes pour la diffusion passive. Et c'est très bien. Du coup, les agrumes, je les utilise aussi en diffusion active avec... Bon, ça, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un diffuseur qui est portable, qui s'appelle le Pilote chez doTERRA. On voit, pareil, je l'ai sur mon bureau et je mets énormément d'agrumes dedans. Donc, pourquoi je diffuse les agrumes? Je vous montre juste un petit schéma que vous devez connaître. Hein. Ici, c'est la roue des émotions qui a été faite par doTERRA ou pour présenter leur synergie émotionnelle. Mais si on fait un petit zoom sur les agrumes, on voit que les agrumes, c'est vraiment, vraiment des huiles essentielles bonne humeur. Donc, si vous avez un coup de mou, et quel que soit le coup de mou, donc là, on vous donne des exemples, hein, découragé, morose, bouleversé, tout ça. Mais voilà, si vous êtes juste levé du mauvais pied, si vous n'êtes pas en forme, les agrumes vraiment peuvent vous aider. Donc, à respirer, à diffuser, voilà, c'est vraiment très aidant. Donc, la tangerine, ça sera la même que tout le monde et vraiment, elle va m'accompagner au quotidien. Sinon les agrumes, je les utilise aussi en cuisine énormément, voilà, dans tous mes gâteaux, essentiellement en pâtisserie, mais ça remplace en fait le zeste. Donc ce qui est super, c'est que vous allez pouvoir faire des gâteaux à la mandarine tout au long de l'année, même si c'est pas la saison. Vous n'avez pas besoin de zeste de mandarine, vous avez votre huile essentielle de tangerine, donc ça c'est cool. Et je crois qu'on est bon, et bien entendu, vous pouvez l'utiliser dans vos produits ménagers, puisque ça va purifier, ça va nettoyer, et c'est excellent. Je ne l'ai jamais utilisé pour ça, mais c'est également, tous les agrumes sont très bons pour les petits maux de ventre. Voilà. Donc, pour les petits bébés qui ne peuvent pas forcément avoir des huiles un peu plus fortes, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir aller masser leur petit ventre. Quand il y a des maux de ventre avec tous les agrumes, c'est super. Voilà pour mon petit partage d'expérience de tangerine. Et on va continuer avec le second produit qui est le produit à moins 10% ce mois-ci, qui est le Zendocrine. Donc le Zendocrine, je vais laisser la parole à Clémence. Juste rapidement, c'est un produit qui va agir pour la détox et pour soutenir notre petit foie. Mais Clémence va vous en parler plus en détail. Je lui laisse la parole. Merci Yann. Alors le Zendocrine, moi je vais l'utiliser beaucoup en détox pour avoir vraiment un effet détox au niveau de mon corps, au niveau de mes organes.
Souvent, on a tendance à travailler uniquement sur le foie quand on fait une détox. Or, il faut travailler sur tous les organes démontoires, comme les poumons, le foie, les intestins, les reins, etc. Et en fait, le zendocrine, c'est une manière en fait, pour lui de travailler sur nos organes pour ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on va avoir besoin de faire une détox, si on va utiliser simplement du citron, on va travailler sur l'organe du foie, mais ça ne sera pas suffisant. Là, l'idée, c'est de travailler donc, sur tous les organes, mais de permettre à ce que la vidange, hein, pardon du terme, mais il n'y a pas d'autre terme pour moi, puisse se faire. Pour ça, il faut faciliter, pour ça, il faut ouvrir les portes. Donc, le zendocrine va ouvrir les portes des organes émonctoires, des organes dits filtres, pour permettre à ce que la détox se fasse le plus naturellement possible, le plus facilement possible. Alors, en termes d'utilisation, ça existe en huile ou en gélule. J'aime l'utiliser en gélule parce qu'au niveau du goût, je trouve ça très costaud. Il y a de la coriandre dedans et clairement, le goût, j'en suis pas fan. Après, je l'ai démarré en huile et j'ai appris qu'on pouvait l'utiliser sous les pieds. Donc, je vais mettre une goutte sous mes pieds directement de zendocrine pur pendant ma détox. Donc, je vais faire ça pendant 10 jours. Et ensuite, je vais faire prendre le relais avec le GX Assist, qui va ensuite prendre le relais avec le bébé Assist pour refaire ma flore intestinale et mon microbiote. Voilà ce que je peux dire par rapport à la détox. Clairement, quand j'ai commencé pour la première fois les endocrines, j'ai eu des plaques au niveau du visage. Alors, ça peut faire peur. Et je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai eu des plaques parce qu'en fait, mon corps, qui a un organe qui est la peau, a simplement vidé, détoxifié et ça s'est passé par la peau. Alors, ça, c'était pas forcément très agréable au départ, j'étais pas habituée à ça. Mais en fait, ça fait partie de la détox, il faut que ça soit éliminé. Donc, quand on fait une détox, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des contraintes, on va dire ça comme ça. Alors, ça peut arriver au niveau des selles, au niveau des urines, donc des urines un peu plus fortes, plus abondantes, plus odorantes, plus colorées. Ça peut même provoquer des selles pas forcément très jolies, dont on n'a pas l'habitude. Mais c'est normal puisque c'est le principe de la détox. Donc, si vous n'avez pas ça durant une détox, c'est que la détox ne se fait pas correctement, à mon sens. Et donc, moi, c'est passé par le visage. Et là, j'ai refait une deuxième détox parce qu'on est au printemps. J'aime faire une détox une fois par an. Et bien, rebelote, j'ai eu des petites taches au niveau du nez, au niveau des joues. Et puis, un bouton, le foie, etc. Donc, je dis merci aux endocrines parce que ça veut dire que tout ça, ils ne le laissent pas dans mon corps. Et je pense qu'il faut l'exprimer. Il faut faire ressortir tout ça. Voilà, je ne sais pas si je peux dire autre chose, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Super, super. Non, très bien. On a Christelle aussi qui nous en parle également de son expérience. Et donc, Christelle, elle ne l'a pas dit dans son vocal, mais elle aussi, la première fois qu'elle a utilisé le zendocrine, elle a eu, je crois, un peu mal à la tête. Donc, tu vois, ça fait partie et ça n'a pas duré. Et du coup, là, ça faisait sûrement partie de la détox. Parce que ça n'a pas duré, donc il n'y avait pas de raison que ça soit le duo endocrine seulement. Hop, allez Christelle, je lui laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser un retour concernant le zendocrine. Donc moi, le zendocrine, je l'utilise deux fois par an lors de ma détox annuelle. Donc il est combiné avec le GX Assist et le PB Assist. Donc ça, c'est vraiment pour faire la détox sur un mois. Ensuite, le zendocrine, vous pouvez l'utiliser de diverses façons. Donc ou tout seul pour une première fois, donc pour faire une bonne détox, vous l'utilisez 21 jours sur le mois en cours. Et ensuite, donc, pour aider donc, tous vos organes à faire une détox naturelle, vous l'utilisez 10 jours par mois. Donc, soit vous pouvez l'utiliser sous forme de gélule, soit sous forme de goutte que vous ajouterez à vos smoothies, à votre thé, dans de l'eau. Voilà. Donc, le zendocrine, ça fait partie d'un des indispensables, j'allais dire, à avoir dans votre pharmacie, voilà, pour faire vos détox ou bien pour l'utiliser donc de façon ponctuelle, donc 10 jours par mois pour aider donc tous vos organes à évacuer les déchets. Voilà mon petit retour. Bonne continuation à toutes et à tous. Voilà pour le partage d'expérience de Christelle. Et ça m'a fait penser que j'avais oublié de parler d'une utilisation des agrumes. Voilà, quand elle a dit qu'on peut mettre de l'endocrine dans l'eau. Bon, a priori, Clémence n'est pas trop pour,
parce que c'est pas très bon, mais ce qui est en tout cas très bon dans l'eau et que moi je mets au quotidien, c'est vraiment des agrumes. Voilà, pour aromatiser l'eau sans calories, c'est génial. Voilà, c'était juste le petit détail que j'avais oublié. Et donc voilà pour les endocrines. On passe à la troisième offre spéciale du mois. Donc ça, c'est des produits qui sont à une édition limitée, on va dire, et quand il n'y a plus de stock, c'est en rupture. Donc voilà, ça sera sur le site jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et je vais laisser Maïva présenter la gamme de Citrus Bloom. Merci Anne, donc bonjour à tous. Donc, la gamme Citrus Bloom, c'est vraiment une gamme, c'est la gamme du printemps, avec des huiles essentielles, bah, beaucoup d'agrumes aussi. Donc avec l'orange sauvage, le pamplemousse, la lavande, la camomille romaine et le magnolia. Donc c'est vraiment une gamme avec une odeur. Moi, je suis vraiment fan. Et ce qui est génial dans ce coffret, dans ce kit, donc quand on le commande, on a tout d'un coup, c'est-à-dire le gel douche, donc avec la synergie Citrus Bloom, le déodorant, la crème pour le corps et les mains et le savon pour les mains avec le petit pousse mousse. Moi, j'appelle ça comme ça parce que c'est vraiment le distributeur, ça fait de la mousse quand on appuie dessus et c'est génial. Les enfants en bas âge aiment bien justement l'effet mousse. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette gamme, c'est qu'elle est assez complète. Et quand je me prépare le matin, j'ai pas plein d'odeurs différentes que je mets, que ce soit pour le déodorant, le gel douche, la crème. En fait, ça va être super harmonieux. Donc, toute la journée, je vais venir sentir le citrus bloom. Donc ça, si on est un peu pas à l'aise avec les odeurs fortes ou multiples, c'est vraiment parfait. Parce qu'en tout cas, c'est mon cas. J'aime pas avoir plein, plein d'odeurs différentes. Donc là, on est parfumé, on est de bonne humeur pour toute la journée. Puisque là, on est vraiment sur des huiles. Donc les agrumes, comme on disait, pour rebooster, pour être en joie. Lavande et la camomille, avec même le magnolia qui vient apaiser et détendre. Donc, en fait, on part sur une journée au top de notre forme avec tout ça. Et moi, je mets un gros, gros, gros plus sur le savon pour les mains. Parce qu'il sent, je me suis lavé les mains avant et ça sent encore vraiment longtemps sur les mains. Et je suis vraiment, vraiment fan. Et le déodorant qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, petite astuce avec le déodorant, vite fait, si vous avez des huiles essentielles qu'on retrouve dans la synergie Citrus Bloom, vous pouvez venir en remettre une fois ou deux, une fois par semaine, une goutte de l'huile essentielle de votre choix pour rendre encore la texture du déodorant encore plus douce et encore plus fluide. Pour la petite astuce. Super, ça marche avec tous les déodorants d'ailleurs d'Otera. Exactement. Très bonne astuce. Et, ouais. Parce que c'est vrai que des fois, ils sont super au niveau formulation, mais de temps en temps, ils laissent peut-être ils deviennent un petit peu secs. Et du coup, mettre une petite goutte d'huile essentielle, c'est en plus ses propriétés. Donc, c'est vraiment super. Merci Maïa pour l'astuce. Moi, le Citrus Bloom, je ne l'ai pas comme ça, mais je l'ai en huile essentielle et je le diffuse aussi parce qu'en effet, c'est agrumes plus fleurs. C'est super. Vraiment, ça sent très, très bon. Et ce n'est pas un produit qu'on a tout le temps dans la gamme. Donc, quand il y est, il faut y aller. OK, on voulait vous parler des diffuseurs Brevi, mais malheureusement, ils sont déjà en rupture de stock. Voilà, on est le 6 du mois et il n'y en a déjà plus. Mais on va quand même vous en parler un petit peu parce que c'est un produit qu'on retrouve quand même de temps en temps. Ils le mettent, ils n'ont pas des gros stocks de ces diffuseurs malheureusement. Mais de temps en temps, vous allez retrouver voilà, une offre spéciale. Là, il y avait les trois qui étaient disponibles. De temps en temps, ils en proposent un seul avec une huile. Voilà. Donc, vous allez re-avoir des brevis au cours de l'année. Mais malheureusement, là, à l'heure actuelle, ils sont en rupture. Moi, j'ai reçu le mien ce matin. J'avais pris le marbre. Donc, il existe trois types de diffuseurs à l'heure actuelle, hein, peut-être qu'ils en créeront d'autres, mais un à effet pierre, un à effet bois et l'autre en effet marbre. Et ils ont tous les mêmes spécificités, hein, c'est-à-dire que ce sont des petits diffuseurs quand même, ils sont très jolis, qui sont faits pour des pièces aux alentours de 25 mètres carrés.
Et vous allez retrouver trois options. Donc, soit pendant 2 heures, il va diffuser en continu, soit 5 heures, soit pendant 10 heures en intermittence. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant 5 minutes, ça va diffuser, pendant 5 minutes, ça va s'arrêter, et ça pendant 10 heures d'affilée. Et ça, c'est très intéressant, cette option, si vous voulez diffuser des huiles essentielles, par exemple, la nuit, pour mieux respirer ou pour agir sur vos émotions en passif, enfin, pour plein de choses. Voilà, l'intermittence pendant 10 heures, 5 minutes, 5 minutes, est super. Voilà, sinon, que dire? C'est un diffuseur extrêmement simple d'emploi. Hein. Il suffit, je ne sais pas si vous allez voir, non, vous voyez pas la petite brume, je viens de l'allumer. Il suffit d'appuyer une fois pour que ça diffuse. Et ensuite, il y a plein de couleurs sur celui-là, donc différentes couleurs qui vont tourner. Si vous n'aimez pas toutes les couleurs et vous voulez en choisir une, voilà, vous avez un petit bouton qui vous permet de garder spécifiquement une couleur. Bon, j'aime bien le blanc, hein, c'est très sobre et c'est très joli. Voilà, donc le Brevis, ne vous y précipitez pas sur le site, il n'y est plus, mais il reviendra sûrement, sûrement bientôt. Et la dernière info de cette petite vidéo, c'est Maïva qui va vous la partager. Alors, peut-être que vous l'avez vu passer ou pas encore, mais il y a une petite nouveauté sur le dentifrice Unguard. Au-delà du fait que le packaging ait changé et que ce soit très joli comme ça, moi j'aime beaucoup. En fait, doTERRA a reformulé la composition du Unguard pour qu'il soit encore plus respectueux de la nature et encore plus respectueux de nous. Donc, il y a juste un élément qui a changé. Et c'est tout. Ça reste vraiment le même dentifrice avec la synergie Unguard, avec de la menthe poivrée dedans et de la Gaultheri. C'est la même chose. Juste un composant qui a été changé pour respecter encore plus le vivant en règle générale. Et du coup, on a un super joli tube maintenant. Voilà. Donc, ça, c'était l'info. Il vient d'arriver ce mois-ci. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez plus le dentifrice que vous connaissiez. Il suffit juste de prendre celui-là maintenant. Et ça ne changera pas grand-chose pour vous, sauf qu'il est juste mieux. Voilà, voilà. Dernière mini-info, mais ça ne concerne pas les clientes qui sont déjà clientes, mais c'est pour les nouvelles adhérentes, ou adhérents d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis tout au féminin, on est quand même plus les filles chez doTERRA, mais ça intéresse aussi les hommes. Voilà, vous avez des huiles justement d'agrumes gratuites en fonction du kit que vous achetez. Donc, ça ne vous concerne pas vous directement si vous êtes cliente, mais si vous connaissez quelqu'un qui a envie d'adhérer ce mois-ci, c'est une offre qui était spécifique du mois d'avril, qui a été prolongée jusqu'au 15 du mois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle n'est pas tout le mois de mai. Donc, voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui a envie d'adhérer, parlez-lui en avant le 15 parce que c'est toujours sympa d'avoir des huiles gratuites, surtout si c'est des huiles d'agrumes. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour ce mois de mai. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aller voir vos conseillers, vos conseillères pour plus d'infos. Et on vous dit au mois prochain. Au revoir les filles, hein, et puis à bientôt. Hop. Et merci pour votre attention, bien entendu.